Bon, salut tout le monde. Donc, moteur 1 litre 9 de TCI, Trafic et Opel Vivaro, c'est les mêmes. Donc, le souci que j'avais, c'est que je mets un coup de clé pour la voiture ne démarre, elle tourne, le moteur tourne, mais elle ne démarre pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai démonté la boîte à air qui est là, qui est dans le camion, celui-là. Vérifier s'il n'était pas bouché ou quoi que ce soit. Vérifier les débitmètres si c'était bon. Tout est ok de ce côté-là. Après, j'ai vu des tutos où il fallait vérifier le capteur PMH.MORO, donc c'est celui-là. Ce modèle-là. Et ce modèle-là, il va ici. Attends. Attendez. Ce modèle-là, il va ici, là. Dans le trou. Je ne sais pas si on va bien voir. Celui-là. Donc le connecteur, il est là. J'ai démonté. J'ai nettoyé. J'ai vérifié. J'ai contrôlé au multimètre s'il y avait une valeur par rapport à la résistance. Et j'ai bien des valeurs sur le truc, sur le capteur. Donc on va essayer ça. Donc ça, comment on peut essayer? Donc là, je me suis mis en ohmmètre pour vérifier la résistance, pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Donc j'ai pris entre les deux connecteurs, peu importe le connecteur, pour voir si juste il y a une valeur, c'est bon. Attends. On arrive à faire ça en même temps, c'est cool. Ah oui. Je vais mettre ça là. Donc j'ai mis une résistance, une valeur haute pour avoir pour voir s'il y avait une résistance. Donc là j'ai pris entre deux cosses capteurs, donc ça c'est bon, j'ai une valeur. Entre les deux, j'ai aussi une valeur. Non, j'ai pas de valeur, mais c'est entre les deux là. J'ai une autre valeur. Donc impeccable. 900 et quelques. Du coup, j'ai démonté cette pièce là. Et j'ai acheté un autre. Mais c'est pas du tout le même modèle. Et j'ai monté quand même, mais c'est toujours le même souci. La voiture, le moteur tourne, mais il démarre pas. Donc après j'ai cherché partout s'il y avait un autre capteur point mort ou AAC Abracam. Donc celui-là, sur ce modèle-là, moi j'avais vu sur d'autres tutos où c'était au milieu ici en haut là. Et le mien, il est en dessous. Donc je vais monter. Donc le mien, il est situé ici devant. Devant sous le cache. Il y a un cache noir ici là. Là, j'ai acheté un nouveau. Je l'ai mesuré. J'avais 900 aussi. 900 ohms en résistance. Donc c'est celui-là. C'est celui-là. Donc comment je peux faire? Là j'ai l'ancien, j'ai démonté l'ancien, mais on va essayer la résistance pour voir. Et comme il n'y a que deux broches. J'ai que deux broches, donc c'est celui-là. Et là on va essayer pour vous montrer que j'ai pas de valeur. Normalement on doit avoir une valeur et quand tu mets la ferraille devant, il doit avoir zéro, justement par rapport au moteur, par rapport au volant moteur. Quand la partie métallique passe devant le capteur, devant le téton, du coup il enlève la valeur. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà, donc là je vais essayer pour montrer que s'il n'y a pas de valeur, c'est que c'est pas bon. Voilà. Normalement, il est censé avoir une valeur, une résistance. Donc là, je teste les deux là pour voir si c'est bon mon multimètre.
Il a aucune valeur. Et sur l'autre que j'ai remonté, j'avais entre 300 et 600 ohms. Donc voilà, là j'ai monté celui du bas, je vais remonter celui du haut, je vais remettre tout le filtre à air. Je vais essayer de démarrer pour voir si c'est le problème est résolu ou pas, s'il faut que je continue. Parce que j'ai checké la pompe à gasoil, les filtres et tout ça. J'ai essayé la pompe par rapport à l'arrivée et l'arrivée jusqu'à la rampe ici là. Donc j'ai démarré là, enfin j'ai mis le coup de clé, j'ai dévissé sur chaque arrivée, je vois s'il y avait du gasoil. Ben, j'avais bien du gasoil qui sortait de là, de chaque truc. Donc là, ce côté-là, c'était bon. Et du coup, là, c'est comme ça que je suis parti sur les capteurs. Donc, je vais terminer de remonter ça. Et après, je vais mettre un coup de clé pour voir si le problème est résolu.